Le non-remplacement des enseignants dans ce collège de l'agglomération nantaise atteint un seuil inconcevable. Le plus flagrant, 4 mois sans professeur de français. Sur 70 heures à honorer depuis septembre, il y a 26 heures de français qui ont sauté. En allemand, première langue, sur 53 heures à honorer depuis septembre, pareil, il y en a 24 qui ont sauté. Et en anglais, on est sur 60 heures à honorer depuis septembre, et il y en a 20 qui ont sauté. Parents d'élèves, professeurs et personnels de l'établissement tentent de faire front dans un sentiment d'impuissance. On soutient les professeurs du collège Allende, puisqu'on sait que ce n'est pas du tout de leur ressort. Et donc on demande que nos enfants reçoivent l'éducation à laquelle ils ont droit. La multiplication des alertes auprès du rectorat n'a pas suffi à régler le problème persistant. Les parents d'élèves ont décidé de saisir la justice. On a décidé, avec l'aide de la FCPE 44 départementale, de porter plainte contre l'État pour rupture de continuité de service public. L'État se doit d'enseigner à nos enfants la même chose partout en France. À quelques semaines du diplôme national du brevet, le remplacement des professeurs n'est pas une option.